Il est temps d'accueillir celui que tout le monde attend ici, qui ne nécessite plus aucune introduction, sa sainteté Shri Shri Ravi Shankar. Bonjour, comment ça va? So nice to be here with you all. C'est tellement bon d'être avec vous tous. I'm coming after 9 years and I see many old faces here. Ça fait 9 ans que je ne suis pas venu, mais je vois déjà des visages connus. Still with the same smile. Avec le même sourire. So this evening, let us discuss something very dear to us. Alors ce soir, discutons de quelque chose qui nous est très cher. Yes? Oui. You know, to discuss something really close to our heart, a formal atmosphere is not congenial. Pour discuter de quelque chose qui est proche de notre cœur, l'atmosphère trop formelle n'est pas adaptée. Right? We need to be in an informal, cordial atmosphere. Il nous faut une atmosphère cordiale, informelle. N'est-ce pas? You know, in our day-to-day life, we do exchange many pleasantries. Vous savez, dans notre vie quotidienne, on échange des plaisanteries. Right? Someone brings you a cup of water. We say, thank you so much. Ah oui. Merci beaucoup. On offre un verre d'eau et on vous répond, merci beaucoup. That beaucoup has no meaning. Mais le beaucoup n'a pas vraiment de sens. N'est-ce pas?
In most of the greetings we do, most of it, not all. La plupart des échanges que l'on fait et des saluts que l'on fait are coming from our lips. Viennent juste de nos lèvres. Not from the car. Pas du cœur. Du cœur. Je n'ai pas parlé français. Compris un peu. When you come out of the aircraft, the air hostess greets you saying, "Have a nice day." Don't mean it. Quand nous montons dans l'avion, l'hôtesse nous dit bonne journée, et ça n'a aucun sens. But when the same words that come to you from someone close to you, it carries some vibrations with it. Mais les mêmes mots prononcés par quelqu'un de proche, ça amène quelque chose de beaucoup plus profond. Isn't it? N'est-ce pas? There is a difference between your grandmother or your grandfather wishing you have a nice day, then the same words coming to from an air hostess. Il y a une grande différence entre votre grand-père, votre grand-mère qui vous dit vraiment bonne journée et ce même bonne journée d'une hôtesse. Yeah? You know, we convey very little through words. We convey more through our vibrations. Each one of us, we carry a lot of vibrations. Chacun d'entre nous amène des vibrations autour de nous, beaucoup plus finalement que par les mots. Right? So it's the vibration that makes us become friends. It's the vibration that makes us become enemies. It's the vibrations that make things happen. It's the vibration that make things not happen. C'est ces mêmes vibrations qui nous fait devenir amis, ennemis, qui font que les choses marchent ou ne marchent pas. Right? And we all want to have positive vibration. Et on veut tous avoir des vibrations positives. But somehow we get caught up in the mind, we get caught up in the past, and what happens? Our vibrations becomes tension, negativity, anger. All this comes into our vibrations. Et quelque part sur le chemin, toutes ces vibrations peuvent devenir de la négativité, être coincé dans l'esprit ou dans le passé et apporter énormément de frustration, de colère. Anger. De colère. La colère. L'amour. De l'amour. All this is conveyed by our vibrations. Et tout ça est apporté avec nos vibrations. Right? So if we live our life just on a superficial level, sooner or later it's going to bring us depression. And that's what is happening in the society today. 40% of Europe is hit by depression. Et quelque part, vivre notre vie de façon trop superficielle nous amène à la dépression. Et en Europe, 40% des gens sont touchés par la dépression. Because neither at home nor in school anyone teaches us how to cleanse your vibrations, how to make it positive. Parce que ni à la maison ni à l'école, on nous enseigne comment nettoyer nos vibrations. Yeah. If we get upset, you know, getting upset is normal. En fait, être irrité, c'est normal. But to carry that for months together, for years together, is not normal. Mais apporter cette irritation pendant des mois ou des années, ça, c'est pas normal. In ancient India, there is a saying: the right. I mean, we are all human beings, as emotions, very important part of our life, right? If there is no emotion, there is no life. Dans l'Inde ancienne, enfin, en tout cas, on dit que nos émotions sont une grande partie de notre vie. Pas d'émotions, pas de vie. Now, how to make our emotions positive? Or what is the right emotion? Comment rendre nos émotions plus positives ou quelle est la bonne émotion? It says the emotion should stay. Any negative emotion should stay only as long as a line stays on the surface of water. Je dis qu'une émotion doit rester autant qu'une ligne que l'on trace sur l'eau peut rester. I'm not saying you should never get angry. You should never feel jealous. You should never get upset. Okay, you can get upset, be angry. You can shout, but that should not stay
more than few minutes, few seconds, then it is healthy. Just like children. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous sentir en colère ou irrité. Je dis simplement que cette émotion ne doit pas rester plus que quelques minutes, comme un enfant. Huh? They should stay just for few minutes. Ça doit juste rester quelques minutes. Have you noticed children? They are crying, and for them to smile back, it just takes few minutes, few seconds. But as adults, if we have cried, for us to smile back, it takes maybe 1 month, 2 months, I don't know how long. Vous avez remarqué, les enfants, ils pleurent et puis ils s'arrêtent, ça leur prend quelques secondes pour sourire à nouveau. Nous, si on pleure, après pour sourire à nouveau, ça peut nous prendre des mois. Yeah. How is it possible? How can we do this? Et on se dit, comment c'est possible? Comment There on peut faire ça? Secret. Il y a un secret. Are you ready for the secret? Vous êtes prêts pour ce secret? Okay, when you are happy, what is the feeling that you get? Quand vous êtes heureux, c'est quoi le sentiment que vous avez à l'intérieur? Someone gives you lots of compliments. What's the feeling you get? On vous donne you beaucoup de compliments. There is something in you is expanding. Il y a quelque chose en vous qui prend de l'expansion. Right? Oui? Oui. And when you are given an insult, what's the feeling you get? Et quand vous recevez une insulte, c'est quoi le sentiment? There's something in you crushes. Il y a quelque chose qui se contracte. So there is something in us that expands and that contracts. Donc il y a quelque chose en nous qui prend de l'expansion et qui se contracte. And if we can understand this something in us that expands and contracts with every external stimuli, the job is done. Et si vous pouvez comprendre ce qui se contracte et qui prend de l'expansion en rapport avec les stimuli extérieurs, alors le travail est fait. The consciousness or the mindedness has the ability to expand and contract. La conscience dans l'être humain a cette propension à pouvoir prendre de l'expansion. If we know this, understand this, experience this, then I tell you, nobody can take the smile away from you. Et si vous comprenez ça, si vous l'intégrez, alors je peux vous dire, personne ne peut prendre votre sourire. Yeah. And in big words, they say, oh, self-realization, know yourself, all this is said. But I tell you, it is very simple. Et là, on emploie des grands mots de réalisation du soi, etc. Et je vous dis, c'est très simple. Simple. Très simple. Are you all here? Vous êtes tous ici? Oui. So, breathing techniques, meditation, all these are aimed to make our vibrations positive. Toutes ces techniques de respiration, de méditation sont faites pour mettre vos vibrations positives. Have you seen children? How do they see? Vous avez vu comment les enfants regardent? When they look at you, their mind is 100% there. Quand ils vous regardent, leur esprit est complètement 100%. But if you look at somebody, your mind is thinking. Mais quand une personne est en train de penser, right? Our mind is elsewhere, and you look at somebody. Votre mental est ailleurs, mais vous regardez à quelqu'un. No, when we kindle the life force in us. We become like children again. Alors quand on allume cette force de vie Every en nous, child is a yogi. Chaque enfant est un yogi. Have you noticed them? Vous avez noté ça? So when the baby is born, they keep the legs high. Even asanas, all the yoga asanas, every child does. En fait, we have all done it as babies. Vous savez, en tant que bébé, on a tous fait des asanas. Vous regardez un petit bébé, il fait tous les asanas avec les jambes en l'air, etc. If you observe a baby from the age of, from the time it's born, from 3 months old baby to 3 years, you don't need a yoga teacher. Et vous savez, chaque petit enfant de 3 mois à 3 ans, ils n'ont pas besoin de professeur de yoga.
Anywhere, any baby, whether it's in Argentina, Mongolia, Japan, China, every child does all these postures and they breathe differently. The way a child breathes is different from the way adult breathes because child is free from stress. Et vous savez, c'est partout la même chose, que vous alliez du Japon à l'Argentine. Et aussi, il respire différemment. La façon dont il respire a changé un petit peu avec l'âge. Yeah. So neither in school nor at home anyone teaches us how to cleanse our vibration, how to cleanse our mind, how to be peaceful. Don't you think this education is necessary? Et ni à la maison ni à l'école, on nous a appris à juste purifier ses vibrations, à gérer notre mental, à être un peu plus paisible. Et vous ne pensez pas que cette éducation est nécessaire? Yeah. You know, if you go to the Amazon forest, the forest, the people, the tribal people living in Africa, you'll find they never brush their teeth. Vous savez, si vous allez dans les zones tribales en Afrique, vous verrez qu'ils ne se brossent jamais les dents. Because they have never learned. Parce qu'ils n'ont jamais appris. And so they have very few teeth, many of them. Et malheureusement, ils ont des problèmes aux dents. We were all taught to brush the teeth. This is dental hygiene. On nous a tous appris à brosser nos dents. Ça, c'est une hygiène dentaire. This is part of the culture. Et c'est une partie de notre culture. Similarly, we need to learn mental hygiene. Et de la même façon, on doit apprendre l'hygiène mentale. That's meditation. Et ça, c'est la méditation. How to get rid of all anger, greed, jealousy, hatred from our mind? This we must teach to our population. Don't you think so? Et comment se débarrasser de la colère, de la frustration, de l'avidité? Ça, vraiment, on doit l'enseigner. Yeah? Vous pensez pas? Yeah. Yeah, yeah. And this is through breathing, through meditation, we can keep ourselves lively, alive, and loving, caring, compassionate, and intelligent also. Et c'est à travers la respiration, la méditation, qu'on se rend plus vivant, plus plein de compassion. Et ça, c'est... J'ai oublié. L'intelligence. What does meditation do? Qu'est-ce que fait la méditation? What does these spiritual practices do? Qu'est-ce que font les pratiques spirituelles? It makes you intelligent. Ça vous rend intelligent. Innovative. Innovant. Intelligent. Intelligent. Intelligent, innovative and inspiration. It brings up inspiration, intuitive. Et ça nous rend intuitif, ça nous inspire. Four eyes, huh? 4 I. Innovation. Innovation. Intuition. Intuition. Inspiration. L'inspiration. And intelligent. Et l'intelligence. Who doesn't want these four? Qui ne veut pas never ces 4 do meditation. I? Alors c'est la méditation. Yeah. If you don't want any of these four, don't ever meditate. Et si vous ne voulez pas ces 4 I, alors ne méditez pas surtout. Yeah. And one more thing about doubt. You know, we always, as human beings, we do get doubts, and it's good to get doubts. Et une chose supplémentaire concernant le doute, en tant qu'être humain, on a des doutes. As I'm speaking, you are hearing, and the mind is saying, "No, no, no. How that could be? Yes, I agree. I disagree." So a dialogue is happening inside. That is intellect. À mesure que je parle, il y a quelque chose qui dit « Oh, mais comment est-ce que c'est possible ?» Oui, ça, je suis d'accord. Et ce qui fait ce petit dialogue, c'est l'intellect. We need to understand the nature of doubt. On doit comprendre la nature du doute. Doubt is always about something that is positive. Have you noticed that? Vous savez, on doute toujours de quelque chose de positif. Vous avez noté ça ? You doubt the honesty of someone. You never doubt the dishonesty of somebody. Vous doutez de l'honnêteté de quelqu'un. Vous ne doutez jamais de sa sincérité.
We don't doubt their dishonesty. De sa malhonnêteté. Did you say reverse? This is my intelligence. So we doubt the happiness. We never doubt our depression. On doute du bonheur, mais jamais de notre dépression. If someone tells you, I love you very much, you ask them really. Quelqu'un vous dit vraiment je t'aime et vous dites vraiment. But if someone says I hate you, you never say really. Mais si quelqu'un vous dit je te hais, vous dites pas vraiment. So our doubt is always about something positive. Donc on doute toujours de quelque chose de positif. Right? If someone asks you are you happy, you say well I don't know. Et si vous, on vous dit est-ce que tu es heureux, on dit ok, je sais pas. You doubt the happiness, but if someone says are you depressed, you are very sure about your depression. Mais quelqu'un vous dit est-ce que vous êtes déprimé, et là vous êtes vraiment sûr de la réponse. Even if doctor tells you you are not depressed, you say no, doctor doesn't know, I am depressed. Même si le docteur vous dit vous êtes pas déprimé, vous dites oui quand même, si je suis vraiment déprimé. Yeah. When we get stuck in something, quand on est coincé dans un schéma, all of our life we remain in this position, stuck. Intellect it is stuck. Alors l'intellect est coincé dans cette positionnement. This is called prejudice. Et ça, c'est une forme de préjudice. You know. Similarly, memory. La même chose pour la mémoire. What happens in memory? You are giving 10 compliments and one insult. What would you hold on to? Regardez, vous donnez 10 compliments et une insulte. Sur quoi est-ce que vous fixez? Qu'est-ce que vous retenez? All the 10 compliments you'll forget, you'll hold on to one negative thing. Vous oubliez les 10 compliments et vous retenez que l'insulte, n'est-ce pas? We have to reverse this. On doit. That is yoga. Renverser. Anything that reverses this tendency of holding on to negative to becoming positive, that is yoga. Et c'est exactement ce qu'est le yoga, renverser cette tendance de renverser ce qui est négatif en that positif. That is spirituality. C'est la spiritualité. You must be wondering why Guruji is not looking this side. Vous pouvez vous demander right? pourquoi est-ce que je ne regarde pas là, hein? Vous vous demandez? See, we get the thought vibes there. Ah, vous avez vu, il y a des vibrations, see, des this pensées. Brain, this mind of ours is a fantastic instrument. Vous savez, cet esprit que l'on a est un instrument fantastique. You know, we are connected with everybody. We are all connected. We are all part of one organism. Nous sommes tous connectés. Nous faisons tous partie d'un même organisme. One human. Mind. There's a big mind with all these small minds put together, one big mind. Et tous ces petits esprits ensemble donnent un grand esprit. Yeah, it's amazing. Et c'est incroyable. So. The memory tends to hold on to something negative. Donc la mémoire. But not for children. Children live in the present moment. La mémoire a tendance à se fixer sur le négatif, mais pas pour les enfants. Les enfants vivent dans l'instant présent. We can reorient our mind, reorient our brains to be in the present moment. We can become very creative, very happy. On peut réorienter notre esprit, notre mental pour devenir vraiment créatif et vraiment heureux. Yeah. N'est-ce pas? A violence-free society. Une violence sans violence. Disease-free body. Une société sans violence, un corps sans maladie. Confusion-free mind. Un esprit sans confusion. Inhibition-free intellect. Un intellect sans inhibition. Trauma-free memory. Une mémoire sans trauma. And sorrow-free soul. Is the birthright of every individual. Et une âme sans chagrin, c'est le droit de naissance de chaque humain. So I will take a couple of more questions.
Comment est-ce qu'on peut contrôler les émotions? Through breathing. Breath is the link between body and emotions and environment. If you learn some of the breathing technique in pranayama, kriya, it will help you to control emotions. À travers la respiration, parce que la respiration est le lien entre le corps et les émotions, à travers les pranayamas. Qu'est-ce que l'art de vivre peut nous enseigner pour un couple? I'm not qualified to talk about it. Je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de ce sujet. But having observed many couples around the world, I can give you some ideas, some suggestions. Mais en observant quelques couples à travers le monde, je peux vous donner quelques idées. One suggestion for male, one for female, and one for both. So okay. Three ideas I give you. Ok, trois idées, une pour l'homme, une pour la femme, et une pour les deux. First, women first, ladies first. Ok, les dames d'abord. For ladies, I would give them a suggestion: never step on the ego of your man. Pour les dames, ne marchez jamais sur l'ego de votre homme. The whole world may call your man as stupid, but you should not say that. Le monde entier peut penser que votre homme est stupide, mais vous, non, vous ne pouvez pas lui dire ça. Don't put him in a position to prove his worth in front of you. Ne le mettez pas en position de prouver sa valeur. So the whole world may call him stupid, but you should not. You should always say he is the most intelligent person. Donc si tout le monde pense qu'il est stupide, vous non, vous devez lui dire qu'il you est know la what plus you intelligente. Can say? Vous pouvez dire the world does not know you have lot of intelligence. Just that you don't use it, that doesn't mean you don't have it. Vous pouvez lui dire même si le monde pense que tu es stupide, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, c'est juste que tu ne l'utilises pas. So always pump his ego so that he feels that self-confidence, self-esteem. Alors il faut pomper un peu son ego pour qu'il se sente en confiance. Because a man has to confiance. Prove himself in the world and when he comes home to rest, to find peace, you should not also put him in a position to prove himself. Parce qu'un homme qui va dans le monde et qui revient à la maison pour trouver du repos, vous ne pouvez pas le pousser vers le bas encore. So always pump the ego of man. Toujours. Got it? Pomper l'ego d'un homme. You will have no trouble. Et là, vous n'aurez pas de problème. And one advice for women, for man now. Man should not step on the emotions of women. Et les hommes ne doivent pas marcher sur les émotions des femmes. She may complain to you about her brother, her sister, her father, her mother, but if you complain about her family, she will change the party. Elle peut se plaindre de son frère, de sa sœur, de leur mère. Mais si vous plaignez en tant qu'homme de sa famille, là, la partie change. Isn't it so? N'est-ce pas? This is how it works in India and America. I think France also, same thing must be working. Ça marche en Inde, aux États-Unis. Je pense que la France est pareil. Yes? Oui. Oui? Oui. So, whatever is dear to a lady, her emotional thing, that should be nurtured. Ce qui est précieux pour une femme, ça doit être nourri. Suppose she wants to go for shopping, don't stop her. Par exemple, si elle veut aller faire du shopping, ne l'arrêtez pas. Okay. And one advice for both. Et un conseil pour les deux. The advice for both of you are is do not ask someone to prove their love for you. Ne demandez pas à votre partenaire de vous prouver son amour. You know, when you are living as a couple for longer time, a little later the love, expression of love becomes less and less and less. And then don't ask them again and again, why
Do you really love me? Do you really love me? You don't love me these days. This sort of complaining. See, suppose someone doubts your love for them, and it becomes such a big burden for you to prove to them, right? Vous savez, si quelqu'un doute de votre amour, ça devient un tel fardeau de lui prouver. Don't expect others to prove their love for you. N'attendez pas des autres qu'ils vous prouvent leur amour. Yeah, if you find their love is becoming less, what you should ask them reverse. No? Why do you love me so much? Et si vous pensez que l'expression de la personne devient un peu moindre, vous pouvez leur poser la question, pourquoi est-ce que vous m'aimez tant? Instead of accusing them, you don't love me, you don't do this, complaining should be stopped. À la place de se plaindre, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, toutes les plaintes doivent s'arrêter. You know, complaining does not give any good result at all. La plainte in a relationship. N'apporte jamais rien dans It'll une relation. Pull down the energy. Ça draine l'énergie. Remember, your job is to push the energy up. Rappelez-vous, votre travail, c'est de pousser vers le haut l'énergie. Got it? N'est-ce pas? Yeah. Let's take charge of our state of mind. Prenons la responsabilité de notre état d'esprit. I'm responsible to feel happy. Nobody else. Je suis responsable de mon bonheur. Then I am in the driving seat. Et donc là, je suis sur le siège conducteur. There'll be 1,000 reasons to get feel down and depressed. Il peut y avoir 1,000 raisons pour être déprimé. But we have to move with this one conviction. I am not going to let the world bury me as long as I am alive. Et on doit avoir vraiment cette conviction qu'il n'y a rien qui peut m'enterrer tant que je suis vivant. What is it? I am not going to let the world around me bury me as long as I am alive. Je ne vais pas laisser. This is the spirit and this is spirituality. C'est l'esprit, c'est la spiritualité. Je ne vais pas laisser le monde m'enterrer tant que je suis vivant. And for this, I am with you. Et pour ça, je suis avec vous. I'm committed for you to rise up like that, a bubbling joy, bubbling enthusiasm, and we have number of programs, and let's spend some time together. Et c'est, je me suis engagé auprès de vous à apporter cette joie effervescente. Et on a un certain nombre de programmes. On va pouvoir passer and du temps ensemble. And I tell you. Et je vous dis, for sure come up like that strong personality, such a beautiful personality that everyone will love, like you, everyone will love you. Et je vous assure que vous ressortirez et vous avez cette personnalité forte, je vous l'assure. Okay. Yeah, this gentleman there. Yes. What can we do in the world where there is war? Que pouvons-nous faire dans un monde avec de la guerre? Yeah, I understand your predicament. Yes. That's mine too. I keep asking, what is that we can do when the world is at war? You know, when we had about 1,000,000 people walked in Paris, 1,000,000 or 10,000,000? 1,000,000 people. Combien de gens ont marché là en début d'année? Walked in Paris. Combien à Paris? 3,000,000 people. 3,000,000? 3,000,000 people in Paris that same day, same time. Ce même jour, in cette Mumbai, même heure. We had 200,000 people, 180,000 to 200,000 people. We all sat and meditated. Vous savez, au même instant en Inde, on avait 200,000 personnes qui méditaient. For the victims of terrorism. Pour les victimes du terrorisme. For to check terrorism, we have to take care of the mind of people. When people think only I have the key to heaven,
Everybody else is going to hell. They create hell for everybody. Vous savez, quand les gens pensent qu'ils ont seuls les clés du paradis, alors ils commencent à créer des dégâts partout autour d'eux. These people are misguided, ignorant, and they never had an opportunity of spiritual experience. Ces gens ont été mal guidés, ignorants, ils n'ont jamais eu une vraie expérience spirituelle. You go into our website and you will find how many terrorists are reformed or transformed. You can hear their own words, you know. We have many such terrorists who did the breathing, did meditation, and completely changed. Et vous allez sur notre site web et vous verrez combien de terroristes ont été vraiment réformés et ils ont changé énormément. In India, about 1,000 such terrorists, they laid down the arms. En fait, en Inde, 1,000 terroristes ont déposé les armes. We have been working, but you know, the problem is so big. We need more people, more resources, more teachers. I need more hands. Then we can definitely spread that peace and harmony around us. Et vous savez, on est en train de travailler, mais on a besoin de plus en plus de mains pour pouvoir vraiment répandre la paix autour de nous. You know, there are two kinds of joy. There are two types of joy. One joy is the joy you get by getting. Vous savez, il y a deux types de joie. La première, c'est quand vous avez une joie qui vient de prendre. And there is another joy, the joy in giving. Et la deuxième, c'est la joie de donner. We are all born with this joy of getting things. On est tous, right? On est tous avec cette joie de But prendre. But when we grow older, like the grandfathers and grandmother, you know, grandmother enjoys giving. Et vous savez, c'est comme les grands-mères qui adorent donner. Grandmother, when she's alone at home, she doesn't make a big cake and put cherries and eat herself. En fait, une grand-mère qui est toute seule à la maison. When kids come, she makes cherry jam and she makes cake, she makes lasagna, she makes many things and share with everybody. Et par contre, quand les enfants viennent, elle fait des gâteaux, des lasagnes. Elle prépare tout ce qu'il faut pour ses enfants. So, we need to move from the joy in getting to the joy in contributing. On doit se départir de cette joie de prendre pour aller vers cette joie qui donne. Yeah, I want nothing. I have everything, but I only want to give more joy, more peace. And I think many of us are all in the same place. So we simply have to come together, wake up, and do the job. Alors, on a juste à se rassembler, tous ensemble, faire ce travail. Okay. Merci beaucoup. One more question I'll take, yeah? Someone from above. Yes? Je suis d'accord pour dire qu'on peut changer les choses, transformer notre vie. Et en même temps, j'ai un professeur de yoga qui me dit, tu sais, tu es l'expression de l'univers, de la vie, et que tu ne choisis pas vraiment. C'est juste quelque chose qui vient. Alors, je suis entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? See, you can play alone soccer. Vous pouvez jouer au football It is tout just seul. Kicking the ball to the goal. Et vous allez juste shooter dans le ballon comme ça. But when you play in a team, the joy is different. Mais quand vous jouez en équipe, alors la joie est différente. And to play soccer, you need a guide. You need a guidance, right? You need a coach. Et vous savez, pour jouer au football, vous avez besoin d'un entraîneur. Right?
As simple as a soccer game cannot be played without a coach. Et un simple jeu comme le football ne peut pas être joué sans entraîneur. So you need some guidance for some time. Alors on a besoin de guidance pour time quelque temps. Time or time to time. Ou de temps en temps. Yeah. The progress will be faster. En tout cas, le progrès sera plus rapide. In French, you ask, yeah. Il y a de plus en plus de solitude dans nos sociétés. There's et more and more loneliness in our society. Loneliness. Et j'aurais voulu savoir si vous avez des conseils pour ces gens qui sont seuls quand ce n'est pas voulu. Do you have any advice for those people who are so lonely and it's not wanted? Thank you. Meditation. Méditation. And group meditation. Et des méditations en groupe. That will help you. No, I think I'll take only one more question. Yes. When children have all the capacities, why we lose it? How do we lose it? Yeah. Si tous les enfants ont cette capacité à être dans l'instant présent, pourquoi est-ce que nous le perdons? Instead of thinking why we lost, I said how we can find it. Moi, je dirais, au lieu de comment est-ce qu'on a perdu ça, je dis comment on peut le retrouver. And this is how you can find it back. Et c'est la façon dont vous pouvez le retrouver. Got it? Vous avez saisi? I mean, there could be many theories, many theorems why we lost it, but it's no use. But I'm saying we should find it, and here is the way to find it. Correct. A baby smiles 400 times a day. Vous savez, un bébé sourit 400 fois par jour. A child is so happy. Il est tellement heureux. And he goes to school, then college. Then we only condition them. Il va à l'école, il then est conditionné. Then he starts smiling only 17 times in adolescence. Et à l'adolescence, il ne sourit que 17 fois par jour. Because we have not taught them about themselves, about mind, about life. Parce qu'on n'aura rien appris à propos d'eux-mêmes, à propos de la vie. Je voulais savoir, vous avez parlé plusieurs fois de contrôle des émotions. Je voulais savoir, est-ce qu'il est préférable de contrôler ses émotions ou de les vivre simplement? You spoke about to control emotions, and I wanted to know if it's not better to just live them. No, if emotions control you, you are in mess. Vous savez, si une émotion vous contrôle, c'est un peu le chaos. But you can express your emotions. I'm not saying suppress the emotion. Je ne dis pas de supprimer une émotion. Vous pouvez l'exprimer. Il y a deux choses. One is suppressing the emotion. Another is being a victim of your own emotions. Il y a deux choses, supprimer une émotion et être victime d'une émotion. Yeah. And most of the crime in the world has happened because people became victim of their own emotions. Et les pleurs arrivent parce que les gens se sentent victimes de leurs émotions. Yeah. N'est-ce pas? Ok. How can we surrender? Why? What do you want to surrender? Mais qu'est-ce que vous voulez abandonner? Why do you need to ou surrender? Lâcher prise? Sur quoi vous voulez lâcher prise? I tell you, just relax. Je vous dis simplement relaxez-vous, okay. Détendez-vous. Why there is so much suffering? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Why?
Vous avez mentionné que dans l'art de vivre, on doit pouvoir accepter, mais des fois, c'est trop dur, c'est impossible. There is a book, Intimate Note to the Sincere Seeker. Vous savez, il y a un petit livre qui s'appelle Note pour un chercheur sincère. Et vous devriez chercher dedans. Yeah? Il y a beaucoup de réponses à ça. We are running out of time. So you just pick up. And also, you can be on my Twitter. Are you on Twitter? Vous êtes sur Twitter? Vous pouvez SRI. You get on. How many of you are not on the Twitter? Combien d'entre vous sont pas sur Twitter? Raise your hand. Oh, why don't you get on to the Twitter? Alors allez sur Twitter. SRI. I keep posting some knowledge in it. On Facebook. Je dis ça parce que je poste souvent de la connaissance sur Twitter aussi. La France demande toujours d'être exceptionnelle sur la scène internationale. Et selon vous, en quoi est-ce que la France est exceptionnelle? I think I have to be here a little longer to know. Je crois que je dois être là un peu plus longtemps pour savoir. Well, I think French people are very special, are so artistic and so warm and more emotional. Les gens. There are so many good things the world can learn from France. Il y a tellement de choses que le monde peut apprendre de la France. Liberty, equality, amour. L'égalité. D'amour. Et l'amour. Okay. You spoke. You spoke about not stepping on husband ego previously. But don't you think that the ego is the source of all sufferings? What? All sufferings. And against the spiritual path. No. One has to work on one's own ego, not someone else did not work on your ego. I'm sorry, I didn't hear. If you find your ego is your botheration, you have to work on your ego. Si vous pensez someone que else need not your wife need not work on your ego. Si vous pensez que votre ego vous fait souffrir, alors c'est votre problème. Vous devez vous travailler sur votre ego, pas quelqu'un d'autre. See, someone else trying to destroy your ego, it becomes worse. Si quelqu'un d'autre essaie de détruire votre ego, in ça devient pire. Spirituality, ego means what? There are many definitions to ego. Ego is an identity. L'ego, c'est une identité. From limited identity, you become a bigger identity. The ego expands, it's good. Si d'une petite identité, l'identité devient plus grande, que l'ego devient plus grand, alors c'est bien. Ego becomes transparent. Alors l'ego devient transparent. Yeah. But if someone is trying to put down your ego, it only causes depression, more suffering. Parce que si jamais quelqu'un essaie de détruire votre ego, ça amène toujours plus de souffrance. You should also pick up this book, Intimate Note to the Sincere Seeker. I've spoken about all the 7 layers of existence. Dans ce livre, Notes pour un chercheur sincère, j'ai déjà parlé aussi de ces 7 couches de l'existence. Or celebrating silence, even in that book. I ou même dans about ce livre, célébrer le silence. Yeah. It's a long discussion, but I don't want to. I know. Take it. I know. That's why I said it's all in the book. C'est la raison pour laquelle. Yeah.
There are different definitions. Here I said in a different context. Il y a plusieurs définitions et là je l'emploie dans un contexte différent. One last question. Une dernière. How to discover the purpose in life? First, see what is not the purpose of your life. Comment your purpose of your life is not just sit in front of television and eat potato chips. Avant de découvrir vraiment le vrai but de la vie, découvrez d'abord ce qui n'est pas le but de la vie. Et s'asseoir devant la télévision avec des chips n'est pas le but de la vie. It's not just sitting and worrying and worrying and worrying, complaining. Ce n'est pas s'asseoir et s'inquiéter. This is not the purpose in life. Et être malheureux, c'est pas le propos de la vie. So, make a list of what is not the purpose of life. D'abord, faites une liste de ce qui n'est pas le but de la vie. And one day you'll discover. Et un jour, vous allez découvrir quel est le but de la vie. Again, meditation. Encore une fois, la méditation. Ok. Merci beaucoup. Mon impression après cette soirée, après 9 ans d'absence, c'est que du bonheur, du plaisir. Enfin chez nous, un homme de paix qui revient avec l'amour et le cœur. Et ça fait du bien. Un apport de bien-être, de joie, de paix. C'est un... Et puis bah, voilà, dans la salle, une envie de partage et de... Une sorte de conviction. C'est la façon dont il évite des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Voilà. En renvoyant toujours les gens à leur... Il y a eu plusieurs questions de ce type-là, où en fait les gens attendaient une réponse, mais on les renvoie eux-mêmes, voilà. Donc moi, c'est ce qui me touche à la fois par ceux qui demandent, attendent une réponse précise, mais il n'y a pas de réponse précise, c'est à eux de la trouver, quoi. Voilà. La soirée, mais elle était juste fantastique. Elle était fantastique. Moi, je suis content pour la France qu'un grand sage comme Sri Sri Ravi Shankar puisse rassembler plus de 1500 personnes comme ça à la mutualité. En plus, c'est une salle historique pour le social en France. Et voilà, j'ai été frappé par la chaleur des gens et la chaleur de leur accueil aussi, d'un personnage qu'ils ne connaissaient pas forcément et qui s'est révélé, je pense, à leurs yeux et à leur cœur, j'espère. Ça semble être un pari réussi. Et je serai à peu près sûr de moi en disant que dans quelques mois, on va pouvoir refaire ça. On va pouvoir refaire ça, peut-être avec un public encore plus grand, dans un autre contexte, et donner aux yeux de Paris encore l'occasion de témoigner d'une grande ferveur pour la méditation et pour l'Inde aussi. Et je suis vraiment heureux que cette connexion et ce pont soient faits maintenant.